et bienvenue sur la garnison de Nîmes. Je suis le sergent chef Sébastien, moniteur chef EPMS, et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux contrôles de la condition physique générale mis en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et qui se compose de 3 épreuves. Alors nous voici sur le premier test. Il s'agit de l'endurance cardio-respiratoire. C'est une course de 2400 mètres où le militaire doit effectuer cette distance le plus rapidement possible. Pour le protocole du test, les points clés sur le 2400 mètres sont les suivants. Courir sur terrain plat et le départ est donné après un échauffement adapté de 15 à 20 minutes. L'épreuve se effectue en tenue de sport. Alors nous voici au test numéro 2, il s'agit de la capacité musculaire générale, la série de pompes sans interruption. Pour effectuer ce test, les points clés sont les suivants. Le militaire est en appui facial, le corps rectiligne, et sur chaque répétition, la poitrine touche le sol en décollant légèrement les mains. Alors nous voilà pour la troisième et dernière épreuve du contrôle de la condition physique du militaire, l'aisance aquatique. Il s'agit de faire 15 mètres d'apnée suivi de 85 mètres de natation. Nageurs, à vos plans, à vos marques. Donc pour essayer d'effectuer cette épreuve, après un départ sauté ou plongé, sans remonter à la surface, le militaire doit effectuer 15 mètres d'apnée suivi d'une natation de 85 mètres en touchant les murs à chaque virage.